Bonsoir. Alors, il était une fois à Grenade. Le voyage dans les sphères d'une histoire fabuleuse commence. Porté par la profondeur de la poésie, le mystère de la légende, les envolées lyriques de la musique, un voyage dans lequel nous vous invitons à nous suivre en épousant les méandres d'une mémoire exceptionnelle. Le tracé d'un imaginaire porté par les divers récits et les échos qui résonnent actuellement notre vécu. À l'origine, il y a eu d'abord pour nous la découverte du livre de Washington Irving, Conte de l'Alhambra. Un faisceau de texte, un faisceau d'images, qui entre réalité et fiction. Retenez bien ce mot fiction, nous plonge dans l'univers magique de Grenade. Et puis aussi, un peu plus tard, la rencontre saisissante avec tous ces poèmes, avec un artiste, avec tous ces poèmes portés par la voix de Carlos Cano. Carlos Cano, qui est un artiste espagnol, andalou, et qui a fait un album qui s'appelle Crónicas Granadinas. Et d'ailleurs, nous allons vous interpréter deux reprises de son album. Une sorte de dimension hors temps où toutes les sensibilités se libèrent, un lieu où le flux ininterrompu de l'imaginaire nous a incités à jouer avec les textes, à les détacher de leur contexte premier et à les glisser dans un tissu de relation qui les fait parler différemment tout en leur faisant dire la même chose. Tout ce que la magie seule de la poésie peut révéler, un secret de l'âme. Vous l'aurez donc compris, notre projet ce soir n'est pas de retracer l'histoire de Grenade, mais plutôt de faire de Grenade l'espace où toutes les histoires se rencontrent. La leur, la nôtre, la vôtre. Suivez-nous et découvrez avec nous. Le verbe est là pour dire la tristesse et la vanité des mots quand le sens de la vie s'épuise. Irving a ces quelques phrases troublantes pour décrire cette grande histoire. Jamais, jamais anéantissement ne fut plus complet que celui des morts d'Espagne. Seul survivant, quelques monuments en ruine atteste la puissance révolue. Telle est l'Alhambra, Qasr al-Hambra, palais musulman au sein d'une terre chrétienne, édifice oriental parmi les bâtiments gothiques
occidentaux, élégants vestiges d'un peuple brave, intelligent et raffiné, qui conquit, gouverna et passa. Oh.
pour Abdelilah. Boabdil, auquel ses sujets avaient donné un surnom. Azoubi, le malchanceux, et dont Irving dira que jamais nom n'a été aussi hideusement noirci. Alors que la légende, celle des vainqueurs probablement, le dépeint comme un être atroce, violent, cruel. Irving dira de lui, brave, il manquait néanmoins de caractère. Et dans les moments critiques, se montrait hésitant, irrésolu. Cette faiblesse précipita sa chute, tandis qu'elle le dépouillait du prestige héroïque. Et en lui conférant la grandeur et la gloire, le rendit digne d'achever l'épisode houleux, dramatique, de la domination musulmane en Espagne. C'est Boabdil qui est vaincu. Remet donc les clés de Grenade au souverain castillan. Qui peut s'étonner de la douleur qu'il éprouva, nous dit toujours Irving, en se voyant chassé d'un pareil royaume et d'une pareille résidence. Sa mère, princesse orgueilleuse, qui oublie à ce moment-là d'être mère, ajoute à son chagrin. Elle aura pour lui la fameuse phrase « Tu fais bien de pleurer comme une femme ce que tu n'as pas su défendre comme un homme. » La luz del pensamiento y la flor.
de ce bel univers déchu. Sinon, la magie de ces lieux, le délice des récits qui nous les racontent, la présence légendaire de tous ces héros qui traversent le temps et nous chuchotent à l'oreille l'histoire de leur valeureuse traversée. Ainsi, la légende du prince Ahmed el-Kamael, ou le pèlerin d'amour. Il était une fois à Grenade un roi mort qui n'avait qu'un fils, Ahmed, surnommé el-Kamael, le parfait. Le jeune enfant est doté de toutes les qualités qui feront de lui plus tard un monarque heureux. Les astrologues l'ont dit, mais ils mettent en garde le père juste sur un point. Le jeune Ahmed serait d'un tempérament amoureux. Il risquerait de grands dangers à cause de sa tendre passion. Il faut donc le tenir à l'écart des séductions de l'amour jusqu'à l'âge mûr. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'enfant grandit dans un somptueux palais au sommet de la colline qui domine l'Alhambra. Il était sous la garde d'un maître, un sage arabe des plus sévères, avec pour le servir les esclaves les plus laids qui soient. Mais la nature reprit le dessus. À l'âge de 20 ans, le prince se métamorphosa. Il prit plaisir aux beautés des jardins, découvrait qu'il existait autour de lui autre chose que l'algèbre. Entama des discussions avec divers oiseaux qui commencèrent à lui parler des choses de la vie, jusqu'au moment où sa vie croise celle d'une colombe qui lui raconte ce qu'est l'amour. Elle lui dit: un charme qui attire deux êtres l'un vers l'autre et les unit par les plus délicieuses correspondances. Heureux tant qu'ils sont ensemble, misérables tant qu'ils ne le sont plus. Et ne voilà-t-il pas que cette messagère de l'amour lui parle d'une belle princesse, elle aussi enfermée dans les murs d'une forteresse. Son cœur s'enflamme pour elle. La colombe est porteuse d'un message du prince. Mais hélas, à son retour, elle meurt et ne lui laisse accrocher à son cou qu'une image dont le prince va tomber éperdument amoureux.
partager désormais. Il est complètement anéanti et désespéré de ne plus pouvoir communiquer avec son amour, dont il n'a plus que cette image sur ce médaillon. Il ne connaît ni son nom, ni son pays. Cet amour fou le pousse donc à passer à l'acte. La décision est prise. Je m'enfuirai de ce palais qui n'est plus pour moi qu'une odieuse prison. Je m'en irai par le monde en quête de ma princesse.
qui ont peuplé sa vie de jeune homme. Le hibou, le corbeau, le perroquet, rappelez-vous qu'il parlait aux oiseaux. La quête est longue et difficile. La passion du jeune homme n'en est que plus exacerbée. Retrouvera-t-il sa princesse? Et enfin, sur l'image, objet du désir, on peut mettre un nom. C'est la princesse Aldegonde de Tolède. Pâle et languissante, elle aussi, inquiète de n'avoir pas de nouvelles de son bien-aimé. C'est le perroquet qui est l'heureux missionnaire. Vole vers ce jardin, cherche-y l'idole de mon cœur et dis-lui que le prince Ahmed, pèlerin d'amour, guidé par les étoiles, est arrivé pour elle sur les bords fleuris du Taj. Et la réponse heureuse, mais aussi inquiète de la princesse, dis-lui que sa poésie a été la nourriture de mon cœur, mais dis-lui aussi qu'il doit se préparer à montrer son amour par la force de ses armes. Demain, mon père organise un tournoi. Et oui, plusieurs princes entreront en lice et maman sera au vainqueur. Armée par des forces magiques. Et oui, il pratiquait la magie. Armée par des forces magiques, le prince Ahmed piétine tout ce qui sera sur son passage. Et le tournoi vire à la catastrophe. La princesse est malade, languissante. Rien n'arrive à la sortir de son chagrin. Un appel est donc lancé à qui réussira à la sortir de son silence. Vêtu du modeste burnous d'un arabe du désert, Ahmed se dit candidat. C'est alors le triomphe de la poésie et de la mélodie. C'est le triomphe de l'amour. Le prince chanta une mélodie assez simple. Les vers amoureux de la lettre où il avait déclaré sa passion. La princesse reconnut les paroles. Le cœur frémissant d'une joie imperceptible et un dialogue par les poésies et les chants se créa entre eux.
la princesse, heureux de voir sa fille sortir de son chagrin, demande à Ahmed ce qu'il veut comme récompense. Il lui répondit qu'il voulait un coffre se trouvant dans son château et dont il en connaissait le contenu. Un tapis volant. Ahmed expliqua que ce dernier n'avait de valeur que mis sous les pieds d'une belle princesse. Ruse. Ruse qui lui permettra de s'envoler avec sa bien-aimée jusqu'à Grenade. Et tout est bien, qui finit bien. Ahmed accède au trône de son père et Aldegon devient sa sultane. Thank you.
légende ne concerne pas que les princes, symbole de la gouvernance, et pourtant, nous l'avons vu, si vulnérable dès lors que le sentiment domine la raison. Ce monde est aussi peuplé de figures féminines, des figures étrangement actuelles, si l'on venait à regarder de près leur réaction. C'est maintenant la légende des trois princesses. Un conte fabuleux dans lequel vont se heurter à la gaucherie du roi mort Mohammed. On dit de lui qu'il était Al-Haizari, parce qu'il avait l'art de tout prendre de travers. Toutes les qualités qui réunissaient ses trois filles, Zaïda, Zoraïda et Zoraheïda, différentes mais associant dans un beau trio la force de caractère de la première, le goût des belles choses de la seconde et la douceur et la timidité de la troisième. Toujours suite à une prédiction des astrologues qui mettait en garde le roi contre les dangers que menaçaient ses trois filles dès lors qu'elles deviendraient jeunes filles. Ahmed va lui aussi les isoler dans une forteresse mauresque bâtie au sommet d'une colline d'où l'on dominait la Méditerranée. C'est là qu'elles vont grandir, au milieu des jardins, et servies par des esclaves du même sexe, et sous le regard averti de leur gouvernante, la vieille Khadija. Mais ce qui devait arriver, arriva. Un jour, parmi des prisonniers qui débarquèrent sur la plage, elles furent saisies par la beauté, la prestance et l'élégance de trois chevaliers espagnols à la fleur de l'âge. Portées par les regards furtifs, une vraie passion va se nouer entre ces beaux jeunes gens et les trois jeunes filles. Mais nouvelle rupture. Le père averti des dangers amoureux que guettaient les trois jeunes filles. Il isole de nouveau dans une coquette résidence près de l'Alhambra. Profondément frustrées, elles n'ont plus goût à la vie. Elles ne sont plus sensibles à aucun divertissement. Zoraïda dira : j'ai perdu le goût de la musique. Et Khadija, la sage, lui répondit : et après, thank you.
donc pas que l'amour donne des ailes à la faveur de circonstances qu'elles vont réussir à provoquer. Les trois galants prisonniers se retrouvent dans une fosse au-delà de la muraille qui entoure la résidence des trois princesses. Un très bel épisode qui verra la relation portée par le langage de la musique, bien sûr, égrenée par le luth des amoureux, auxquels les trois sœurs répondront par le langage des poésies. Plus encore que l'amour, c'est la beauté qui triomphe, c'est l'art qui fait vibrer les âmes. C'est un très joli dialogue qui se crée entre eux. Thank you.
des chevaliers rachetés par leur famille s'éloigne de nouveau. La belle idylle amoureuse portée par les sous du luth s'arrête. Le silence s'installe. Une seule issue s'impose alors. Celle de la fuite. Il faut quitter ces lieux qui enferment la passion et empêchent le sentiment amoureux de se réaliser. D'abord réticente, la bonne Khadija se laisse persuader et se fait la complice du bonheur de ses trois protégés. Cela se fera une nuit. Thank you.
dernier programme. Et donc, on ne va pas finir avec une note négative de la chute de Grenade, mais on va finir avec la continuité. La beauté et l'art sont portés par l'imaginaire des hommes. Le verbe est toujours là pour les exprimer. N'est-ce pas là le secret même de la poésie? Oui. Oui, Grenade, par ses splendeurs, par ses récits, enfouis dans nos mémoires, elle est cet univers qui fait du souvenir le ferment de notre vie et de notre relation à la beauté du monde. Elle est là, infiniment présente, infiniment porteuse du sens à donner à la vie. Yeah.